Bonjour, ici le Printemps méditerranéen. Alors, j'ai avec moi l'honneur de présenter Monsieur Marc Demers, maire de la ville de Laval. Alors, il est parmi nous ce soir. Alors, Monsieur Demers, bienvenue, bonjour. Bonjour au stand tunisien. Alors, j'aimerais bien avoir, vous avez fait le tour de tous les stands, dans les stands tunisiens, j'aimerais bien avoir votre appréciation, s'il vous plaît. Alors, la première chose qui m'a impressionné, c'est la chaleur des gens de la Tunisie. Autant les hommes que les femmes sont chaleureux, sont toujours accueillants. Et évidemment, l'art tunisien est très impressionnant. Et la nourriture. La nourriture, j'ai eu l'occasion de manger et je pense qu'on mange beaucoup en Tunisie, peut-être plus qu'ici encore. Alors, je dois être prudent lorsque je mange. C'est léger, c'est santé. Oui, oui. Bon, alors en visitant le stand tunisien, en fait, on a fait le tour de l'huile tunisienne, l'huile d'olive qui est biologique, le thon, le pain. Bon, vous avez aussi vu les tableaux d'art qui représentent aussi la femme, l'émancipation, le changement, etc. Donc, on a vu aussi les autres tableaux qui représentent la plage et les portes et les souks et le stand. C'est quoi votre appréciation? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Évidemment, ce que je trouve impressionnant, c'est toute la poterie, tout le travail du métal et l'histoire qu'il y a derrière, la culture qu'il y a derrière chaque œuvre d'art. Alors ça, c'est impressionnant. Mais évidemment, le vestimentaire aussi, qui est beaucoup plus coloré et qui met en évidence, je pense, l'histoire de cette culture-là, qui est très ancienne comparativement à nous. Alors, nous avons beaucoup à apprendre et nous avons beaucoup à nous enrichir de la culture tunisienne. Alors, on a tout intérêt à connaître la Tunisie et à échanger avec la Tunisie. Les deux dernières années, il y avait deux missions commerciales qui ont été faites, et surtout à Laval. Donc, il y a un échange commercial et peut-être un jour aussi, on travaille dessus pour qu'il y aura entre la ville de Laval et la ville de Sfax qui est en Tunisie. Donc, je pense que quelque chose... Est-ce que vous pouvez me commenter là-dessus? Écoutez, il y a une volonté de faire un échange commercial, un échange culturel, parce que c'est gagnant, entre autres, pour Ville de Laval. Je crois que nous avons beaucoup à gagner et aussi beaucoup à offrir. Mais nous sommes aussi une des terres d'accueil privilégiées par les Tunisiens, Ville de Laval. Alors, on s'enrichit notre communauté avec la culture tunisienne et pour nous, c'est précieux. Aujourd'hui, au printemps méditerranéen, Monsieur Demers, quel message que vous voulez donner, en fait, parce qu'il y a quand même au niveau entre la Tunisie et Laval, et le Canada et le Québec, il y a énormément d'échanges. D'ailleurs, dernièrement, il y avait le quartet qui ont eu des prix Nobel. Donc, il y a aussi, je pense bientôt aussi, il va venir le conseiller du Premier ministre au Forum économique international des Amériques. Donc, il y a pas mal de délégations, il y a beaucoup d'échanges. C'est quoi le message que vous donnez pour la Tunisie? Alors, en tant que président d'honneur du Printemps méditerranéen, c'est un grand plaisir pour moi d'assister à l'événement et de parrainer l'événement. Mais je crois que nous avons tout à gagner au niveau des échanges culturels, des échanges commerciaux. La Tunisie est notre province, notre pays, et notamment Ville de Laval. Alors, c'est important d'en faire la promotion et d'afficher nos convictions de façon à pouvoir éventuellement faire des échanges sur le plan culturel, sur le plan commercial entre les deux pays. Vous savez, nous avons beaucoup en commun. Premièrement, on partage une même langue, qui est la langue française, et nous avons à offrir ce qu'un pays neuf, nouveau, peut offrir. Et vous avez l'histoire, la culture, vous avez une mémoire de l'histoire qui est riche et qui est passionnante pour des gens comme nous. Alors, nous avons tout à gagner à unir nos forces, nos énergies. Je pense dans les membres conseil municipal, il manque un Tunisien ou une Tunisienne. Alors peut-être, j'espère que prochainement il y aura quelqu'un. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre visite, d'être là parmi nous aujourd'hui. Nous sommes très honorés de vous avoir et j'espère très bientôt vous voir en Tunisie.
Merci et j'espère avoir une Tunisienne ou un Tunisien sur le conseil municipal l'an prochain. Ce serait de nous enrichir et effectivement, nous sommes d'accord à aller faire un tour en Tunisie pour s'enrichir et des échanges. En tout cas, je le souhaite de tout cœur et merci encore de votre visite et d'avoir visité aussi nos stands et votre appréciation. Alors au plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et merci à toute l'auditoire tunisien. Je remercie aussi Avant-Première qui nous a accompagnés toute la journée aujourd'hui. On fait une promotion extraordinaire. Je vous remercie infiniment. Merci.